Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission d'éducation, d'information et de formation, le rendez-vous des entrepreneurs. Comme tous les jeudis, lorsqu'il est 17h en direct de MyTV Channel, nous vous entraînons dans une nouvelle balade au cœur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Cet après-midi, l'activité politique s'invite au débat entrepreneurial. En effet, nous abordons l'activité politique sous le prisme d'un métier générateur de revenus. Peut-on vivre de la politique? Vit-on de la politique au Cameroun? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Voilà, mesdames et messieurs, les quelques éléments qui vont constituer nos échanges pendant 80 minutes en compagnie de notre invité qui est déjà bien installé en studio et qui nous rejoindra sur le plateau tout à l'heure. Les autres rubriques également vous seront servies, notamment une vidéo de motivation, question de vous mettre en condition. Sans oublier l'avis de notre experte Larissa Boaïkao. Comme à l'accoutumée, nous avons tendu également et donné la possibilité à certaines personnes de s'exprimer sur le sujet. Pendant l'émission, vous aurez la possibilité d'avoir leur analyse sur le sujet. Et en dernière partie de l'émission, l'espace partenaire, l'espace réservé à la publicité, à la promotion de notre invité, mais également de vous les partenaires qui nous faites confiance tous les jeudis. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, comme je le disais, cet après-midi, la politique s'invite à l'activité entrepreneuriale. Mais avant cela, si vous le voulez bien à la maison, on marque la première halte de notre programme pour prendre cette vidéo de motivation, question de vous mettre en condition avant de rentrer concrètement dans les débats. On prend ceci et on se retrouve juste derrière. Visualise-le et le succès se manifestera. Comme si c'était une garantie. Nous passons des heures à étudier le succès. Nous passons des mois à rechercher la bonne formule. Nous essayons d'imiter sans relâche les habitudes des grands, de ceux qui ont réussi. Mais on oublie souvent de mentionner un détail. Un détail qui fait pourtant toute la différence. Un sujet qui fâche, un sujet qui fait peur. Ce dont on oublie souvent de parler, c'est de l'échec. L'échec, je vous le garantis à 100%, fera partie de votre route vers le succès. Je veux que vous changez votre perception de l'échec. C'est déterminant et trop important, car c'est votre perception de l'échec qui vous mettra sur la voie du succès ou non. Souvent, nous prenons un échec comme une manifestation cherchant à nous faire mal ou à nous contrarier. On se sent en colère, on se sent impuissant. Mais en réalité, c'est tout sauf cela. Laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes un soir d'hiver. Il fait très froid et la neige recouvre les trottoirs. Je suis en train de rentrer chez moi d'un pas précipité, car le froid me glace le visage. Et à quelques mètres devant moi, je vois ce vieil homme, avec une canne, se déplaçant très lentement. Il semble avoir du mal à marcher. La neige sur le sol ne facilite malheureusement pas son périple. Il pose son pied sur une plaque de glace et tombe de tout son long, quelques mètres devant moi. Je me précipite vers lui pour l'aider à se relever, mais quelque chose me marque. C'est l'expression sur son visage. Malgré sa chute, malgré la situation, il esquisse un léger sourire. Sans aucune plainte, il accepte mon aide, récupère sa canne et se relève. On parle un peu, de tout et de rien, puis après juste quelques minutes, au moment de le quitter, je lui dis avec le sourire de faire attention à lui et d'éviter les balades par ce temps. Sa réponse me reste encore en tête des années après. Il m'a répondu « J'aime bien plus marcher que je n'ai peur de tomber. » Puis il se retourne et part. Je ne l'ai jamais revu. J'aime bien plus marcher que je n'ai peur de tomber. Sans le savoir, il venait de me donner une de mes plus grandes leçons de vie. Car ce jour-là, j'ai compris quelque chose.
Cet homme m'a fait réaliser que c'est l'amour de mon but qui me ferait aller au bout de mes rêves et non pas ma peur d'échouer. J'ai toujours pensé qu'avoir peur d'échouer dans la vie m'aiderait à réussir. Je regardais les gens autour de moi, accumulant les échecs, et je me disais, jamais je ne serai comme eux. J'avais tout faux. J'aime bien plus marcher que je n'ai peur de tomber. Cet homme m'a fait comprendre que je devais faire un choix. Mon désir de réussir est-il plus grand que ma peur d'échouer? Posez-vous cette question sincèrement. 99% d'entre nous doivent faire ce choix. Ceux qui réussissent ne s'arrêtent pas au premier échec. Ceux qui réussissent ne s'arrêtent pas au dixième échec, ni à 100, ni à 1000. Ceux qui réussissent se disent « c'est mon but et je ferai tout pour pouvoir y arriver ». Ils se disent « j'apprendrai de chaque erreur, j'apprendrai plus vite, je travaillerai plus dur, je travaillerai plus intelligemment et je ne m'arrêterai pas avant que mon rêve soit devenu une réalité ». C'est la vraie différence entre le succès et l'échec. Quand on est enfant, on ne s'arrête pas au premier échec. Sinon, comment avez-vous appris à faire du vélo? Vous êtes tombé de nombreuses fois, échec après échec, chute après chute. Mais vous vous êtes relevé. Mais plus on vieillit, plus on devient faible. On devient trop peureux pour retourner sur le vélo. On abandonne à la première chute. On se trouve des excuses. On se dit, ce n'est finalement peut-être pas fait pour moi. Non ! La vérité, c'est que tu es trop peureux et trop paresseux. Retourne sur ton vélo et apprends de chaque chute. Et sois sûr d'être plus fort de tes leçons. Sois sûr de ne plus jamais tomber. Il faut que vous viviez là où ça fait mal, là où on sent que nos forces nous lâchent, là où on est quasiment certain d'échouer, à l'extrême limite de nos capacités, jusqu'à l'échec, et puis recommencer, encore et encore, on n'y arrive pas, c'est trop dur, jusqu'à ce que notre corps et notre esprit s'adaptent, et tout à coup, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Vous allez devoir être à l'aise avec l'échec. Vous allez même devoir partir à sa recherche. Car toutes les grandes leçons se trouvent dans l'échec. La plupart des obstacles sont là pour forger notre caractère, pas pour nous stopper. Les gens qui réussissent connaissent de nombreux échecs, beaucoup plus que de réussites. Mais ils utilisent les leçons de ces erreurs. Ils utilisent ces connaissances pour s'approcher à chaque fois un peu plus près de leur but. C'est à ça que sert l'entraînement, c'est à ça que sert la répétition, c'est un apprentissage nécessaire. Échouer vous permettra de repérer les endroits où vous devez vous améliorer. Vous devez redéfinir votre façon d'appréhender l'échec. L'échec est inévitable. Dans tout ce que vous entreprendrez, vous allez échouer. Mais l'échec n'est pas la fin du monde. L'échec est un processus. L'échec fait partie de la préparation, de l'apprentissage. Imaginez si Michael Jordan avait peur de rater. Il n'aurait jamais fait un tir de sa vie. Mais au contraire, Jordan a une toute autre perception de l'échec. Comme il le dit si bien, j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. L'échec n'est qu'une perception. Ce que les autres voient comme une défaite, je le vois comme une opportunité. Une opportunité d'apprendre. Une opportunité de grandir. Avoir peur d'échouer ne fera rien évoluer. Mais si vous croyez réellement en vos rêves et commencez à les poursuivre, vous savez ce qui arrivera? Vous allez échouer. 10 fois, 100 fois, peut-être même 1000 fois. Mais ce sera normal. L'échec n'est pas permanent. Tomber n'est pas permanent. Il faudra vous relever.
Et pour 10 échecs, vous aurez un succès. C'est comme ça que ça marche. Il va falloir aimer ce que vous voulez si fort qu'il faudra accepter de tomber 10 fois pour gagner une fois. C'est ça que les gagnants font. Et les gens riront de vous. Si vous voulez réaliser votre rêve, il ne faudra jamais les écouter et toujours continuer. Et si un jour on vous regarde et que l'on vous dit « Vous allez encore échouer », vous savez ce que vous leur répondrez? Vous leur répondrez qu'ils ont raison. Mais vous, vous n'avez pas peur d'échouer. Vous, vous n'avez pas peur de passer à l'action. Vous allez échouer 10 fois, mais vous savez quoi? Ça ne sera que du bonheur. Car à chaque fois, ce sera une marche de plus franchie d'un peu. Pour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, chers amis téléspectateurs, vous qui nous prenez à l'instant, c'est votre programme hebdomadaire d'éducation, de formation et également d'accompagnement dans les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, tous les jeudis, nous essayons de vous apporter des clés, des astuces et des solutions pour faire de vous des entrepreneurs à succès. À l'instant, c'était la première articulation de notre programme, la vidéo de motivation. Une fois de plus, nous avons abordé le sujet de l'échec. Il est important de savoir que lorsqu'on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut prendre en considération l'élément qu'est l'échec fondateur des réussites futures. La thématique que nous avons choisi d'appréhender cet après-midi est très simple. Nous vous l'avons dit dans le temps de jeu. Peut-on considérer la politique comme une activité professionnelle et en vivre? Vivre pour la politique ou vivre de la politique, selon l'expression de l'auteur Max Weber. S'investir dans la politique ou investir dans la politique pour la personne que vous êtes à la maison. Est-ce que la politique est un secteur porteur dans lequel vous pouvez décider de vous investir et d'essayer d'y mener une carrière et en vivre? Voilà un peu la problématique que nous évoque le sujet que nous avons choisi cet après-midi. Ailleurs, on nous parle des professionnels de la politique, on parle d'entrepreneurs politiques. Est-ce que cette réalité est perçue de la même manière au Cameroun? Tout à l'heure, nous allons avoir l'analyse, l'expertise de notre invité qui lui-même en politique, professionnel de la politique, nous dira si lui il vit de la politique ou alors s'il peut vous conseiller, vous à la maison, d'investir dans les activités politiques. Mais avant cela, mesdames et messieurs, comme tous les jeudis, nous allons prendre l'avis de Larissa Boyekao qui également s'est appesantie sur la question et nous livre à l'instant son ressenti sur la question. Peut-on considérer la politique comme une activité professionnelle et en vivre? L'avis de Larissa Boyekao et on se retrouve juste derrière. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis Larissa Boyekao. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire, nous allons aborder aujourd'hui l'entrepreneur politique. Est-ce que l'entrepreneur politique peut vivre de ce métier? Est-ce qu'il existe des opportunités lorsque l'on décide de devenir entrepreneur politique? Quelles sont ces opportunités-là? Aujourd'hui, c'est simplement ça, nous vous donner des astuces et vous présenter ces différentes opportunités si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat politique. L'entrepreneuriat politique a plusieurs métiers, comme tous les autres métiers, et ça naît d'un besoin. Donc, premièrement, il faudrait avoir un besoin, et quel besoin? Ce besoin doit avoir trait avec la politique. Premièrement, on peut décider de devenir avocat politique, monter son cabinet d'avocat qui va essentiellement consister à défendre ces hommes d'affaires politiques, que ce soit qui ont eu un litige avec des personnes publiques ou avec des personnes privées, à pouvoir maintenir leur image et finalement gagner le procès et pas avoir à s'aplatit comme une crêpe. Ensuite, nous avons des politologues. Les politologues, ce sont des historiens de la politique.
il était si important de pouvoir se lancer dans ce secteur, ce domaine d'activité, parce que le politologue, ce sera celui-là qui va raconter l'histoire politique d'un pays. Il va dire que lorsque l'on était aux années 2000, voilà telle politique qui se faisait en 2021, on est passé à telle politique. Et cela peut être très important dans la mesure où on va essayer de comprendre comment est-ce que l'introduction ou le retrait d'un produit peut impacter sur la politique d'un pays. Comment est-ce que lorsque un produit tel que Facebook, un produit tel que TikTok ou un produit tel que simplement un produit de ménage, comment est-ce que l'introduction d'un pays comme d'un produit, d'un simple produit comme ça, peut impacter sur la politique d'un pays? Et cela n'a pas l'air d'être très intéressant, mais l'on voit que lorsque la politique n'a pas encadré ou lorsque la politique n'a pas pensé à ce qu'un produit, un produit innovant entre sur le marché et impacte réellement la vie des gens, les politiques doivent mettre en place certaines mesures. Est-ce qu'elles appliquent des mesures restrictives? Est-ce qu'elles appliquent des mesures excitatives? Ou est-ce que simplement elles retirent le produit sur le marché? C'est aussi ça le politologue. Je me dis, ce serait une bonne chose d'avoir une entreprise qui puisse raconter ça, qui puisse raconter l'histoire quand il y a eu Chococam, qui puisse raconter l'histoire quand il y a eu la Citabac, qui puisse raconter l'histoire de comment est-ce que le gouvernement s'est comporté lorsque il a eu à faire à l'introduction de tel ou tel produit. Et je pense que cette vision-là peut permettre à certains investisseurs, qu'ils soient internes ou externes, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent approcher le marché, comment est-ce qu'ils peuvent pénétrer ce marché-là afin que leur produit, lorsqu'il est sur le marché, n'ait pas d'inconvénients ou ne doit pas faire face à une certaine animosité de l'État. Donc, je pense aussi que avoir une entreprise qui fait dans ce sens-là peut être une très belle opportunité. Nous avons également les journalistes politiques. On en voit de tout, de partout. On en voit et on se rend compte que même les réseaux sociaux, Twitter et j'en passe, toutes ces hommes politiques-là se retrouvent dessus à faire des posts, comme on dit, à écrire, à échanger, à donner leur façon, leur point de vue sur ce qu'ils pensent de ci ou de tel sujet. Et par conséquent, lorsqu'ils s'adressent à un individu lambda sur Twitter, forcément, il faudrait avoir le langage adapté. Comme on dit, il faudrait avoir le langage adapté. Et cela encore découle par une autre opportunité qui est la communication politique. Est-ce que quelqu'un qui fait de la communication politique va présenter l'idée ou va présenter son idéal comme un produit, comme celui que je viens de vous présenter là tout à l'heure? Je ne pense pas. Donc, il faudrait également assister ces différents hommes politiques là à savoir communiquer sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que j'emploie les mots pour me faire entendre et me faire bien entendre sur les réseaux sociaux? Donc, une entreprise aussi africaine qui va parler africain, pas européen, qui va parler africain et où tout le monde, que ce soit Camerounais, Éthiopien, Ghanéen, pourrait se reconnaître dans les mots, les mots qui seront utilisés, tout comme le domaine culturel, le domaine économique, le domaine politique offre également plein d'avantages. Je continue à citer une opportunité qui, selon moi, pourrait être aussi très avantageuse, c'est de se placer en tant que consultant africain. Ça veut dire quoi? Être une passerelle entre les différents pays africains. Ça veut dire que si, par exemple, moi, Larissa, je veux investir au Kenya, que je me rapproche de ce consultant-là qui, lui, va me servir de passerelle en me disant que, bon, d'accord, voici, si vous voulez introduire votre produit dans le marché kényan, voilà comment ça se présente, voilà quelles les politiques mises en place, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Et je pense aussi que comme ça peut également faciliter
le libre-échange entre les différents pays africains avant même d'attaquer les pays européens. Donc ce serait également un avantage d'avoir une structure comme ça. Pas besoin de se déplacer, mais juste peut-être de se mettre sur son téléphone ou de se mettre sur son ordinateur et de saisir consultants africains et d'avoir là une liste d'entreprises qui fait dans ce domaine-là. Je pense aussi que ça peut être une très belle opportunité. Un autre business, un autre projet entrepreneurial qui pourrait être mis en œuvre par l'entrepreneur politique, c'est celui de la communication de campagne. On a l'impression qu'on fait de la politique, mais souvent on ne sait pas quelles sont les différentes idées de campagne. Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on on transforme justement? Parce que on a souvent l'impression de dire que l'Africain, c'est juste le manger, le boire. Il n'y a pas de campagne politique en tant que telle. C'est juste partir, leur donner à manger, leur donner à boire. Et vous êtes sûr que vous aurez le vote. Donc, je pense que l'entrepreneur dans la communication des campagnes aussi va permettre de pouvoir créer une participation des gens dans le suivi de la politique aussi. Parce que l'absence de communication de campagne fait à ce que on ne voit pas exactement où l'homme d'affaires, où l'homme politique veut nous mener. Peut-être il a un bon planning, il a de bonnes idées, mais n'empêche qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il va les mettre en place, comment est-ce que il va faire pour pouvoir capter le maximum de votes ou d'adhérents. Et je me dis, à ce moment-là, l'entrepreneur qui va se placer dans la communication de campagne pourra également bénéficier, parce que la communication de campagne, on a les élections municipales, les élections législatives, les élections présidentielles, et après même on peut avoir les élections de quartier, les élections de chef traditionnel. Il y a plein de trucs qu'on pourrait mettre en place, et à ce moment-là, je pense qu'il serait vraiment avantageux de se placer sur ce secteur d'activité. Je me dis, j'ai pas fait politique, je suis un peu quasi pas très forte en communication, mais n'empêche que ce serait quand même un bon filon, je pense. Et comme on dit, l'entrepreneur, c'est celui-là qui apporte une vision. L'entrepreneur, c'est celui-là qui change les choses, qui apporte quelque chose de nouveau. Et on sait que derrière des moments difficiles, comme nous, au Cameroun, nous sommes en train de les passer, crée des hommes forts. Donc, on vit des moments difficiles, ça veut dire que là, derrière, comme ça, on aura des hommes forts qui sont en train de se créer. Et j'espère bien que ces hommes forts-là pourront mettre en place un entrepreneuriat politique adapté à ce que nous vivons pour pouvoir créer une vie assez facile à vivre, une vie assez belle pour les différents habitants. N'hésitez pas, comme tout projet, l'entrepreneur politique devra bien également organiser ses idées, bien également mettre en place un business plan, un business model, mettre en place toutes les stratégies, que ce soit également des stratégies de communication en interne, que ce soit des stratégies de recrutement, que ce soit des stratégies de la paie, pour pouvoir rendre son entreprise pérenne. Et c'est dans ce moment-là que moi j'apparais et que je me sens très à l'aise en disant, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur comment est-ce que je suis une jeune entreprise, je veux allier la performance et l'efficacité, j'ai pas d'argent, comment est-ce que trouver l'équilibre entre payer un X contre un Y et toujours garder un même niveau de performance, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Vous pouvez m'écrire sur ma page Larissa Boyekao, Facebook, Instagram. Je serai toujours ravie de répondre à toutes vos différentes questions. Je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Le premier truc, j'avais trop mal à dire.
son ressenti sur la question que nous avons choisi d'aborder cet après-midi. Je rappelle pour tous ceux qui nous prennent à l'instant, peut-on considérer la politique comme une activité professionnelle et en vivre? Voilà notre sujet. Vous savez, comme tous les jeudis, l'émission est interactive. Vous avez la possibilité de participer. Envoyez vos contributions, questions ou réactions via SMS ou alors via notre numéro WhatsApp que vous voyez à l'instant au bas de l'écran. Que pensez-vous de ce sujet? Peut-on investir et s'investir dans la politique? Peut-on considérer l'activité politique comme un business? Voilà, s'il faut parler terre à terre comme dans notre jargon habituel sur le rendez-vous des entrepreneurs. D'autres vont dire de manière plus simple, la politique peut-elle être considérée comme un métier? La politique est-elle un métier? Peut-on vivre de la politique? Pour m'accompagner dans cet exercice cet après-midi, nous avons choisi d'inviter un homme à plusieurs casquettes. Il s'appelle Félix Joseph Niek Biaga. Il nous fait l'amitié d'être là cet après-midi sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir et bienvenue, monsieur Niek. Merci, bonsoir Anson. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous convier à cette séance de réflexion. Le contexte, on le sait, au Cameroun, plusieurs jeunes se demandent si ça vaut la peine de toujours rester au pays. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver son compte? Je crois que globalement, c'est dans cette logique que vous nous avez conviés ici aujourd'hui pour essayer de partager l'expérience que nous connaissons depuis quelques années. Mais permettez-moi, avant de venir dans la thématique, de souligner quand même que lorsqu'on est de passage ici dans le secteur où est installée cette télévision, on n'a pas l'impression de la grandeur ou alors de l'existence même d'une chaîne de télévision avec un plateau relevé comme celui-ci. C'est à féliciter, d'autant plus que derrière, depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas vu quelqu'un qui est âgé, c'est essentiellement les jeunes. On n'a qu'à arriver ici pour voir la qualité du travail, le professionnalisme, l'engagement. Vraiment, c'est à saluer et c'est à encourager. J'avais même l'impression je voulais déjà vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on doit chercher encore en politique comme activité devant pouvant aider à trouver son compte chaque fin du mois? Mais je me rends compte que chacun naît avec un destin, il y travaille avec une passion. C'est globalement pour cela que réfléchir encore sur la politique en tant qu'activité devient fondée. Vraiment, c'est à féliciter, c'est à encourager. Merci. Le contexte dans lequel vous exercez, avoir ça, c'est vraiment waouh. Voilà, merci. On va adresser ces félicitations au top management de MyTV Channel, comme vous l'avez relevé. Une équipe de jeunes passionnés, déterminés et engagés à qui il ne manque que peut-être un certain appui pour que le travail soit encore plus mieux élaboré. Merci déjà pour ces propos. Alors, monsieur Biaga, vous êtes tout d'abord politologue, c'est bien ça? Alors, je sais que j'ai séjourné à l'université, je fais une thèse de doctorat en sciences politiques sur la communication politique, ouais. Sous la direction du professeur Capuchin Célestin. Disons que je peux aussi dire que je suis politologue, mais davantage, je préfère m'identifier comme étant politicien, donc quelqu'un qui a décidé d'exercer dans la politique comme métier de la vie depuis au moins l'âge de 15 ans. J'y arrive. Vous êtes également homme politique, ce que vous venez d'appeler politicien. Vous êtes notamment membre du bureau politique national du PCRN. Exact. Président du comité de suivi des collectivités territoriales décentralisées gérées par le PCRN. Et vous avez été représentant du PCRN à la Commission nationale de recensement général des votes lors des législatives de 2020 et des sénatoriales de mars 2023. Exact. Voilà. Entre autres. Donc, bon, disons que dans une autre vie, je suis aussi opérateur économique. J'y arrive. On y va pas à pas. Donc, pour le moment, en fait, c'est pour légitimer les différentes casquettes qu'on vous a attribuées. Absolument. Par rapport à la problématique que nous avons. Mais aussi militant de base, voilà, du PCRN dans la commune de Macaque et celle de Soie, où actuellement, par ailleurs, mes camarades sont en train de tenir la réunion hebdomadaire qu'on tient chaque fois pour essayer de penser l'avenir du pays. Voilà, donc c'est à dessein qu'on vous a choisi. Votre profil était celui qui convenait exactement avec la problématique que nous avons choisi d'aborder. Et enfin, donc, vous êtes
un entrepreneur. Parce que nous sommes sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Vous êtes un opérateur économique. Alors, est-ce que vous continuez toujours dans vos activités économiques ou alors vous êtes consacré définitivement à la politique et vous ne vivez que de ça, finalement? Non, il faut dire que on ne peut pas faire de politique sans moyens financiers. Donc, la politique coûte énormément. Vous avez toujours besoin d'être accompagné quelque part. Et lorsque vous avez des projets, vous avez dans l'enfance, vous choisissez un certain nombre de couloirs dans lesquels vous voulez évoluer. Il n'y a pas incompatibilité entre activité économique, c'est-à-dire opérateur économique, et activité politique. Donc, j'essaye de joindre les deux, mais en mettant l'accent sur la politique. Parce que pour moi, dès qu'il y a un environnement qui permette à ce que le climat sectoriel se mette en place pour l'épanouissement ou l'éclosion du potentiel humain que le Cameroun regorge, vraiment beaucoup de choses seront faites. Donc, je m'investis, je mets 90% de mon temps pour les activités politiques et les 10% pour le reste des activités que je peux mener chaque fois que je le peux. Alors, chers téléspectateurs, continuez à nous envoyer vos contributions, des questions à notre invité, vos réactions par rapport au sujet que nous avons choisi d'aborder cet après-midi. Peut-on investir et s'investir dans l'activité politique? Peut-on considérer la politique comme une activité professionnelle et en vivre? Il y en a qui ont un peu de sous et ils veulent une activité dans laquelle investir. Chaque fois dans nos différentes émissions, nous invitons des experts ici qui essayent de vous donner des conseils sur des activités dans lesquelles vous pouvez investir de vos moyens, de votre temps et de votre énergie. Aujourd'hui, on essaye de s'interroger sur l'activité politique. Est-ce que c'est une activité dans laquelle on peut véritablement s'investir dans le sens d'une carrière, dans le sens d'une profession et pouvoir y tirer un bénéfice ou tirer un profit sur le plan personnel? Qu'est-ce que vous en pensez à la maison? Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. Alors, M. Biaga, je vais convoquer là maintenant le politologue que vous êtes. Et comme on nous l'a appris à l'école, lorsqu'on aborde une problématique, on commence par les clarifications conceptuelles. Si vous convenez avec moi, pour l'antenne de nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à l'instant, nous avons les notions de professionnel de la politique, activité politique et même politique. Alors, vous, en tant que politologue, à quoi renvoient ces différents concepts? Qu'est-ce qu'on sous-entend par professionnel de la politique? C'est quoi activité politique, acteur politique, politicien? Et surtout, c'est quoi la politique? Alors, je préfère commencer par la fin, parce que c'est la fin qui est au cœur de tout. Lorsqu'on parle de la politique de manière triviale, ce sont les activités liées à l'État, les activités liées au pouvoir. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous levez le matin, vous travaillez sur tout ce qui a à faire, qui a trait à l'État. On a défini l'État comme étant la population, le territoire, la souveraineté. Et maintenant, chaque fois donc que vous décidez de vous engager dans un pan de cette activité à l'échelle de l'État, parce qu'il faut dire que lorsqu'on dit l'État, on dit population, la population n'est pas conçue ici comme étant une propriété des individus, mais globalement vous réfléchissez à l'échelle de la société qu'on appelle l'État pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes qui s'opposent aux populations au quotidien. Et la politique aussi étant comme le pouvoir, donc chaque fois que vous investissez à une activité de conquête de pouvoir, mais à l'échelle des postes étatiques, c'est-à-dire sous-préfet, maire, mais quand on dit sous-préfet, c'est des fonctionnaires, c'est de la politique, mais la politique du point de vue de l'administration, parce qu'il y a l'administratif, il y a le politique dans le fonctionnement de la société. Mais quand vous êtes député, vous êtes maire, vous êtes président de la République, vous êtes ministre, là vous êtes véritablement dans la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Donc la politique, c'est globalement ça. Donc c'est des affaires liées à l'État et des affaires liées au pouvoir, mais pas le pouvoir dans le cadre familial, le pouvoir à l'échelle de l'État. Lorsque vous décidez donc de vous définir sur l'échelle comme un professionnel de la politique, ça veut donc dire que vous avez choisi comme activité au quotidien. Ça, il faut revenir. Quand je dis quotidien, pour nous en politique, même en dormant, vous devez être en train de réfléchir le lendemain du point de vue politique. Donc vous avez décidé de faire de la politique votre raison de vivre, ce pourquoi vous existez. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que votre quotidien change? Là, vous êtes donc un professionnel de la politique. Donc, vous êtes censé mener une activité où vous attendez pour salaire
pour parler de manière triviale, ce que vous gagnez en exerçant la politique. Donc, globalement, c'est ça, les activités politiques, donc c'est tout ce qui découle des affaires liées à l'État, des affaires liées au pouvoir, mais avec des postes publics globalement. Mais il faut quand même élargir la réflexion parce que la politique est exercée dans le cadre partisan. Donc il y a toujours un appareil administratif qu'on appelle le parti politique au sein duquel tout se passe. Donc il y a les activités, c'est la matrice de la conception, de la projection et de la matérialisation de la politique sur le terrain. Je ne voudrais pas m'étaler davantage sur la science, mais on peut penser à Joseph Lapalombara, qui dans la définition du parti politique évoque quatre critères, parmi lesquels l'existence territoriale, donc le fait d'avoir la capacité de naître à un point et de s'établir sur l'ensemble du territoire. Pourquoi pas aujourd'hui au-delà du territoire avec la mondialisation. Donc cette activité revient au parti politique qui doit tout le temps concevoir son existence, sa pertinence et sa matérialisation sur le terrain, parce que vous ne pouvez pas envisager conquérir un pouvoir si vous êtes absent sur le terrain. Donc, ce sont les activités politiques. Elles peuvent être menées dans strictement dans le parti politique comme appareil ou alors instrument de conquête de l'espace existant du parti politique ou du pouvoir politique, mais aussi au sein des postes publics politiques que sont les conseillers municipaux, conseillers régionaux, sénateurs, ministres, présidents de la République, maires, députés, pour ne citer que cela, par rapport à notre constitution actuellement. Alors, l'enjeu d'aborder une problématique comme celle-ci, lorsque j'ai évoqué le sujet, beaucoup de personnes m'ont interpellé là-dessus. On parle d'entrepreneuriat, on sait que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est du ressort économique. Aujourd'hui, vous abordez la politique. Alors, vous, en tant qu'homme politique, quel est l'enjeu d'une telle problématique? Est-ce qu'on doit pouvoir parler de la politique sous le prisme économique, surtout aujourd'hui avec la mondialisation, on est à l'aide de l'auto-emploi? Alors, est-ce que ce sujet a un véritable enjeu? Est-ce qu'on doit parler de politique sous le prisme des professions? Oui, je crois que lorsqu'on regarde le choix des métiers aujourd'hui au Cameroun, l'impression qu'on a, c'est que les Camerounais ne choisissent toujours pas les métiers de leur conviction. Donc, ils sont dans le raccourci, ils sont dans la peur, ils sont dans la crainte, et donc finalement, ils ne sont plus dans ce sur quoi ils se sentent un certain nombre d'aptitudes. Donc, je crois que cette problématique est intéressante parce qu'elle va galvaniser, elle va mettre en confiance ceux-là comme nous autres. Parce que je dois avouer que mon choix de la politique comme activité de la vie a été opéré à l'âge de 15 ans. Donc, j'avais exactement 15 ans un matin où je me suis posé la question de savoir à quoi est-ce que je peux être utile à cette République. J'ai donc essayé de faire le tour rapidement. Je m'étais rendu compte que l'impression que j'avais à cette époque, c'est que si ça ne va pas, du constat que j'avais fait, je crois que quand je dis ça ne va pas, quelqu'un d'autre peut voir que ça va. Mais pour moi, je considérais que ça n'allait pas. Et je me posais la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ça. Et là, je m'étais rendu compte que le problème se trouve au niveau du décideur. Et le décideur public que j'avais identifié à l'époque, c'était les hommes politiques. Donc, je m'étais rendu compte que de bout en bout, si on veut que ça aille, il faut s'investir sur le champ politique. Mais est-ce que les métiers politiques sont les métiers à rentabilité économique systématique comme toutes les autres? Je crois que c'est globalement le sens de la réflexion pour dire comment on peut gagner, quels sont les gains en politique. Est-ce qu'ils sont forcément économiques? Je crois que globalement, la problématique est pertinente. Alors, restons toujours dans la démarche scientifique. Si on essaie un peu de faire la chronologie, c'est vrai que lorsqu'on parle de professionnalisation de la politique, on va penser beaucoup plus à la France, qui est un pays qui est assez ancré politiquement. Et la plupart des auteurs qui ont théorisé ces notions ont beaucoup plus pris la France pour exemple. On est passé de la politique faite par une certaine catégorie d'individus. On parlait en ce moment-là de vivre pour
la politique et ensuite on est passé à vivre de la politique. Si on revient donc dans notre contexte camerounais, alors comment est-ce que vous appréhendez le processus de professionnalisation, si on peut parler d'un processus de professionnalisation politique au Cameroun? Je crois que dire qu'il n'y a pas processus de professionnalisation politique au Cameroun, c'est exagéré. C'est un chantier qui est entamé, qui est fait à sa manière, mais qui demande l'accélération, pas seulement en essayant de copier ailleurs, en contextualisant, mais en essayant véritablement de s'y mettre. Donc je pense que la politique en tant qu'activité existe au Cameroun, mais c'est un chemin qu'il faut vraiment davantage maintenant étoffer pour que ça devienne une routine. Parce que chez nous, on estime, chaque fois que vous écoutez quelqu'un, lorsque vous engagez en politique, il vous dit, s'il estime que votre condition économique n'est pas parfaite, et il dit que vous partez chercher votre part. C'est comme si c'était... Quels sont les critères sur lesquels on peut déterminer que tel est un professionnel de la politique? Parce qu'il faut dire que le terme politicien parfois a une connotation un peu péjorative. Non, je crois que... Quels sont les critères d'identification? Je crois que dans notre contexte, chaque fois que quelqu'un s'investit dans la politique, il faut commencer à l'appeler professionnel politique. C'est vrai que les gens mettent l'accent sur le type d'engagement. On parle d'engagement opportuniste, dont les gens estiment que ceux qui sont dans la politique en termes pour en faire une opportunité ne sont pas des professionnels de la politique. Mais c'est un jeu spécial. Il est spécial parce que chez nous en politique, c'est un fourre-tout. Donc lorsqu'on fait de la politique, il s'agit des moyens pour atteindre les objectifs. Donc si vous avez quelqu'un qui est arrivé pour une opportunité, donc il estime qu'en travaillant avec vous ou à vos côtés, il va atteindre ses objectifs, il vous revient à vous de tirer le maximum pendant le temps de votre collaboration. Donc, on ne saurait ici sortir une typologie propre au Cameroun ou au contexte africain. Chacun y va, mais chaque fois qu'il y a un engagement, comme je l'ai dit, quel que soit le degré d'engagement, c'est un risque, parce qu'il faut tout de suite le signaler. Je crois que c'est un des métiers au plus gros risque, surtout dans notre contexte où l'ouverture démocratique n'est pas encore la chose la mieux partagée. Donc pour une sortie que vous pouvez faire, vous pouvez courir le risque de 1000 sorties de quelqu'un d'autre. Donc pour moi, tous ceux-là qui mettent vraiment de leur énergie, et de leurs moyens, de leur capital pour espérer engranger quelque chose, on doit les appeler les professionnels de la politique. Mais tout ce que moi je sais, c'est que si je dois parler de mon expérience personnelle, je suis entré en politique avec les convictions. Je crois que le plus grand ou les plus gros salaires de la politique, c'est le résultat de la matérialisation de la conviction qu'on a. C'est-à-dire que lorsqu'on a une conviction, si quelqu'un se lève et dit le Cameroun peut avoir les routes mieux construites, et il travaille à cela, c'est l'honneur. Dès qu'il est arrivé au thème, dès qu'il a séduit, dès qu'il a montré que ce qu'il a compensé est pertinent, rassurez-vous, c'est le plus gros salaire et c'est le principal salaire. Donc économiquement, vous aurez les gens qui vont vous appuyer, vous aurez les gens qui vont vous accompagner. J'avoue que avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que les politiciens gagnent énormément d'argent, même si c'est sur le court temps, parce qu'il faut dire que il est difficile de voir un politicien vraiment en activité sur plus de deux décennies. Mais c'est un métier qui paye, vraiment. Il paye comme on ne cherche pas l'argent, parce que lorsque nous y allons, la priorité n'est pas l'argent, c'est l'amélioration des conditions de vie au quotidien. Mais lorsque vous revenez en Angleterre, vous allez voir que la première fois qu'on évoque le concept des finances publiques, il s'agissait de mobiliser les fonds pour mettre au service de l'empereur qui était le roi, pour qu'il ne puisse manquer de rien dans les activités qu'il doit mener pour le cadre de l'intérêt général. Donc il faut globalement dire que la politique, c'est la conviction, c'est les idées, c'est la pertinence dans ce qu'on fait, c'est l'endurance, c'est la patience. Donc vous devez la résilience, vous devez avoir un projet, travailler vraiment ardemment pour ce projet, et tout ce que vous appelez argent, salaire, comme si c'était dans une entreprise, le traitement qui vous est réservé, vraiment, on regarde les honneurs, parce que lorsqu'on passe salaire, on convertit tout cela, ce qu'on appelle les avantages, les articles 2. Lorsque vous voyez un ministre rouler n'importe où, il a quand même un certain nombre d'honneurs qui vont avec. Absolument. Et on peut
peut pas avoir ses honneurs sans salaire. Donc je crois que c'est un métier qui paye pour ceux qui mettent l'accent sur l'argent, mais il paye davantage parce que vous entrez d'abord dans l'histoire de votre pays. Donc je crois que le plus gros salaire, c'est de s'assurer qu'on a marqué son temps et que la vie ne se passe pas sans vos idées. C'est le retour que vous recevez de l'investissement que vous faites dans ce sens. Alors, lorsqu'on parle de métier, on parle de profession et à nouveau les formations. Absolument. Alors, comment est-ce qu'on se forme, ou est-ce qu'on se forme pour être professionnel de la politique? Est-ce que tout le monde peut accéder à ce statut? Vous qui êtes un homme politique, la dimension formation, je pense qu'elle est importante pour qu'on ne se retrouve pas dans la même réalité qu'on a aujourd'hui dans le monde du travail et de l'entrepreneuriat, où on a plein de personnes qui s'engagent sans avoir un ensemble de prérequis. Je crois que vous avez touché là où il fallait mettre le doigt, parce que le problème de la politique, c'est vraiment la formation. Parce que lorsque vous n'êtes pas formé, vous aurez de la peine à vous en sortir dans ce champ. Et j'aime envie de dire, dans tous les métiers, il faut la formation. Mais avant la formation, comme je l'ai dit, il faut la conviction. La politique, de la modeste expérience que j'ai, a au moins trois manières d'acquérir les connaissances, les outils du métier. On peut être, dès qu'on a la conviction à la base, on peut aller à l'école, c'est-à-dire vous faites vos études dans les zones qui vous permettent d'acquérir les outils théoriques de la science politique et donc de la politique. Vous avez l'expérience sur le terrain, parce qu'il faut dire que la maîtrise du terrain en politique vous ouvre vraiment les voies à un certain nombre d'acquisitions, d'outils, d'expériences. Mais il y a l'obligation pour les partis politiques de se professionnaliser en mettant l'accent sur la formation. C'est pour cela que vous avez vu, lorsque nous avons pris le PSREN en 2019, tout de suite en 2020, on s'est rendu compte avec notre première participation aux élections que nous avons les élus qui sont certes élus, mais globalement, il leur manque le substrat du métier. Et ça fait que finalement, la volonté, l'engagement qu'ils ont ne coïncide toujours pas avec la réalité sur le terrain. Donc, il faut que chaque formation politique ait une académie de formation où on va allier la théorie à la pratique. On le voit ailleurs, hein, au Parti Socialiste. Absolument, absolument. Parce qu'il n'y a déjà pas de parti politique sans idéologie. Il n'y a pas de parti politique sans projet de société. Il n'y a pas de parti politique sans engagement militant. Donc, il faut savoir déjà qu'est-ce que c'est qu'être militant. Comment est-ce qu'on doit se comporter pour être un bon militant? Comment est-ce qu'on peut mettre le profil? Parce que chez nous, en politique, ce sont les métiers de la parole. Et les métiers de la parole sont souvent liés à l'esprit. Ils sont souvent liés au talent. Donc, en politique, on se rend compte que chacun de nous a un talent. Comment découvrir ce talent? Comment le perfectionner pour qu'il soit finalement... C'est ça que chez vous, vous parlez de libérer les énergies. Oui, chez nous, au PSREN, on parle absolument de libérer les énergies parce que nous sommes convaincus que chaque être humain en a au moins une, et c'est la mise en commun de toutes ces énergies qui va permettre à ce qu'on atteigne la vitesse naturelle à laquelle Dieu nous a prédestinés. Parce qu'il faut le relever en passant, le Cameroun est un cocktail de bénédictions, de richesses, de potentiel, que s'il est mis, s'il est vraiment éprouvé, on va passer à autre chose. Donc il faut vous avez abordé la dimension empirique, le terrain et autres, mais alors la dimension académique, est-ce qu'il faudrait pas, peut-être ailleurs on a vu que certains passent par des IEP et autres, est-ce que ça devrait aussi être le cas chez nous? Il faut au moins savoir un certain niveau intellectuel pour s'engager en politique, ou alors les réductions aussi en politique peut être une réalité sans être passé à l'école du blanc, entre parenthèses. Alors, les combats politiques ont différents degrés. Oui. Donc, c'est fonction du rendement attendu qu'on doit calibrer. Vous pouvez avoir le potentiel naturel à pouvoir mobiliser les masses. Maintenant, c'est important en politique, mais si vous avez la volonté d'exercer un certain nombre de responsabilités déjà au sein de l'appareil en tant qu'institution administrative, vous avez l'obligation de vos capacités, donc vous avez l'obligation, quel que soit votre niveau intellectuel à la base, de renforcer
ne fût-ce que de renforcer. Maintenant, lorsque vous vous projetez pour des grandes fonctions en politique, vous avez l'obligation d'aller à l'école des Blancs, d'être diplômé, quel que soit ce que vous faites sur le terrain. Vous avez besoin de stimuler votre cerveau et cette théorie-là, c'est donc à ce moment qu'elle devient importante. Donc, vous pouvez aller à l'université, vous pouvez faire ces instituts, vous pouvez être formé dans le parti politique, mais disons que c'est l'ambition qui conditionne ou alors qui calibre les exigences qu'il vous faut réunir pour atteindre vos objectifs. Mais en tant que politicien, vous avez besoin, quand on est en politique, on a toujours besoin d'un capital. Le capital peut être intellectuel, il peut être économique, mais ça peut aussi être la légitimité que vous avez autour de vous. C'est tout ça mis ensemble qui fait donc de vous un professionnel de la politique. Mais les exigences de la politique qu'on appelle la démocratie, que nous appelons la politique moderne, vraiment, il faut être socialisé au métier, il faut être socialisé au comportement démocratique et il faut aller les apprendre, les acquérir dans un milieu, il faut être formé dans un milieu où on les a théorisés, on y a mis du contenu pour que vous essayez de vous mettre sur cette peau pour être efficace. Il s'appelle Joseph Félix Niègue-Biaga, je rappelle, il est cadre au PCN, il est homme politique, il est politologue, mais également entrepreneur. Il nous fait l'amitié d'être là cet après-midi dans le cadre de notre programme du jeudi 17h en direct de MyTV Channel, le rendez-vous des entrepreneurs. Continuez à nous envoyer vos contributions. Vous avez été nombreux à nous avoir envoyé des messages et des questions pour l'invité. Dans quelques minutes, nous allons pouvoir lui poser ces différentes questions. Mais avant cela, nous avons également pris l'avis de certaines personnes sur la question. Peut-on considérer la politique comme une activité professionnelle et en vivre? Nous allons vous proposer un petit morceau choisi de deux vidéos. Un politologue qui actif, qui s'est présenté sur la question, mais également un homme politique très connu sur la scène publique camerounaise. Il a été militant du SDF, militant du MRC. Aujourd'hui, il est le président de la formation politique qu'on appelle APAR. La question lui avait été posée lors de l'émission Entretien sur STV sur la politique peut-elle être considérée comme un métier. Voici sa réponse avec la contribution de la réalisation et on se retrouve juste derrière. Je pense que la politique a beaucoup de noblesse. Il ne faut pas, dévergonder la vie politique à travers des comportements oisifs ou en tout cas des comportements qui laissent à désirer. Moi, je considère que la politique, pour moi, c'est la plus haute expression de la charité humaine. Mmh. Ça veut dire que quand on s'engage vis-à-vis d'un peuple, c'est vraiment pour le servir, parce que je pense que la politique est la seule profession, parce que les gens pensent que la politique n'est pas un métier. C'est un métier. Parce que les petits amateurs en politique qui viennent d'arriver, certains étaient des enseignants dans l'époque, on croit que la politique c'est une improvisation. Non, la politique ce n'est pas une improvisation. Il faut maîtriser les dossiers. Il faut être un professionnel de la politique. Parce qu'il y va de l'enjeu des intérêts nationaux. Exact. La politique est un métier, et un métier à part entière. Parce que si c'est une distraction, si c'est un divertissement, alors là, il vaut mieux aller vendre les ordinateurs. Moi, je considère qu'aujourd'hui, les hommes politiques peuvent se critiquer. C'est le monde, par excellence, de débat d'idées. Je peux dire que je ne suis pas d'accord avec les propos de M. Dipita Tongo. Parce que le point qu'il a soulevé n'est pas d'une urgence spectaculaire. Ça s'arrête là. Mais quand les guéguerres pour son strapontin personnel sont déversées sur les réseaux sociaux, alors là, ça impacte sur l'éthique de la politique. Or, le problème dans notre pays, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on reproche aux hommes politiques, aux femmes politiques? C'est parce que, justement, les hommes et les femmes politiques s'illustre davantage par un déficit, effectivement, de l'intégrité et un déficit de l'éthique politique. Pour que les jeunes puissent adhérer à la politique, et éventuellement puissent adhérer à des partis politiques, je suis président d'un parti politique, il faut qu'ils aient une bonne lecture, pas seulement une bonne lecture, mais une idée positive de la politique. Qu'est-ce que ça nous renvoie? Des guéguerres à travers les courriers sur Internet, des fuites confidentielles, des lettres dites confidentielles.
certains disent les lettres sensibles, mais qu'on réussit quand même à envoyer à certains journaux. Vous voyez, nous sommes dans une espèce d'embrouillamini qui n'a pas de sens. Donc il faut revenir au canon de la politique. La politique, c'est servir. La politique, c'est un métier. Dans les grands pays du monde, les hommes politiques ne font que ça. Ils ont l'obligation de ne faire que la politique. Si vous voulez vendre des ordinateurs, allez vendre des ordinateurs. Si vous voulez être Baham Salam, allez être Baham Salam. Mais la politique, c'est quelque chose de très sensible, de très important pour la population. On vous a confié un mandat. Donc, on veut que vous gériez ce mandat à 100%. Imaginez-vous un député ou un maire qui fait autre chose que la politique. Ça veut dire qu'il y a conflit d'intérêts. Il doit être consacré à ses administrés. Il doit être obsédé par l'amélioration des conditions de vie de ses populations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce côté paillette, ce côté secondaire, mais néanmoins nocif de la politique, n'honore pas la politique et nous freine pour l'émergence. Parce que quand nous parlons d'émergence, c'est aussi l'émergence des comportements. Si dans un pays, vous avez des acteurs politiques qui n'ont pas compris qu'il faut d'abord être exemplaire, eh bien, vous êtes en train d'enfoncer, n'est-ce pas, l'idée que les jeunes, notamment, se font de la politique. Bonsoir, moi c'est Patrick Mumpenya, en service à l'agence de régulation du secteur de l'électricité et par ailleurs politologue de formation. À la question de savoir peut-on considérer la politique comme une activité professionnelle et en vivre, moi je répondrai tout de go oui, parce que la politique dans le monde contemporain a toujours été une fonction essentiellement élitiste. Et nous pouvons reprendre le sociologue Max Weber qui dit que un technicien de la politique est celui qui vit de la politique et par la politique. Cependant, nous avons un contexte camerounais qui est quand même assez particulier, dans lequel s'engager dans une activité politique est quand même un gros risque. Un gros risque, ça c'est connu, à travers des principes tels que les incompatibilités de fonctions et autres. Et parfois, quand les choix sont mal opérés, on joue carrément à un jeu de quitte ou double. On est capable ou on est en passe de tout perdre quand on fait un mauvais choix dès le départ. Donc, il est plutôt urgent de se poser la question de savoir... est-ce que s'engager dans une activité politique est une garantie d'avoir une certaine stabilité professionnelle? Ça, c'est la question qui peut ressortir de cette analyse. Bonne soirée. Voilà, de retour hein, sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs à l'instant. Hein. C'était quelques avis que nous avons gagnés. Vous avez reconnu par exemple Célestin Djamen, un homme politique assez connu. C'est baptisé bien Célestin Djamen. Oui, c'est un aîné qu'on doit respecter parce qu'il s'est engagé en politique. Il avait à peine 20 ans. Il a été de tous les combats. C'est quelqu'un qui est dans ses convictions, il ne change pas d'avis, il peut changer d'équipe, il peut changer de formation, de formation politique, mais il reste lui-même. C'est donc quelqu'un qui est dans les combats. Donc vous n'êtes pas de ceux qui pensent que c'est un opportuniste politique? Non, je pense que... l'opportunisme en politique n'est pas quelque chose de très... Je pense que ce que les gens n'intègrent pas en politique, c'est que le contexte, l'impression qu'on donne aux gens, c'est que ce qui vous revient de droit... comme contrepartie de votre engagement est un cadeau qu'on vous fait et tous les mots vous sont taxés. Non, je l'ai dit ici dans le thème, l'énergie qu'on apporte à la politique, même si c'est pour une seconde, il faut s'assurer que cette énergie a été véritablement ce pourquoi elle a été pensée. Donc, je crois que la question de l'opportunisme qui est collée à chaque fois au Cameroun lorsque quelqu'un change de formation politique ou de bord politique de formation, je préfère, parce que le bord, c'est en termes d'idéologie, il y a problème. Mais je comprends aussi ceux qui le disent parce que la culture politique
politique n'est pas, la culture citoyenne même d'abord, c'est pas la chose qu'on retrouve partout au Cameroun, et ça fait que les gens ne comprennent pas toujours le fonctionnement des uns et des autres. Et il faut professionnaliser la politique en termes de bord donc idéologique. Donc on doit savoir que ce que je porte comme conviction doit être hébergé dans un bord idéologique. La politique dans notre contexte, le véritable problème, c'est qu'on ne la fait pas sur la base des idéologies. Il n'y a pas d'idéologie politique et ça noie donc finalement tous les engagements. L'actualité nous montre des exemples qui prêtent à confusion. Cette transhumance politique qu'on constate chaque jour avec des personnes qui aujourd'hui sont dans des partis X, demain se retrouvent dans les partis Y. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est toujours... sorti le concept de tube digestif. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je crois que ceux qui parlent du concept de tube digestif, pour s'assurer que ceux qui s'engagent, c'est pour le tube digestif, je les appelle aussi à s'engager. Donc, il faut qu'ils s'engagent, ils vivent la réalité. Non, je veux partager, mais je voudrais qu'ils le vivent dans l'expérience. Maintenant, je vous ai dit, les engagements politiques dépendent de ceux qui s'engagent. Donc, les gens qui s'engagent peuvent en faire vraiment une opportunité au sens de l'opportunisme, c'est-à-dire, c'est des occasions pour régler les questions de tube digestif. Ça existe, mais je reste convaincu que la plupart des engagements politiques au Cameroun sont des engagements de conviction. Peut-être on a un problème, le manque d'idéologie et le manque de renouvellement de la classe politique au sein des formations politiques, le dépassement dans des combats. Parce que moi, je vais prendre un cas qui pour moi m'inspire. Lorsque vous prenez Sam Severin Ango, pour moi, n'a pas encore fait de la politique. Parce que quand vous regardez sa trajectoire, c'est quelqu'un qui est recruté comme communicant. Il est payé pour la prestation qu'il fait. Donc, ses trois premiers engagements sont des engagements de contrat salarié en tant que professionnel, en tant que professionnel de la communication dans les activités politiques. Maintenant, il a décidé, par exemple, au MRC, à un moment donné, de devenir aussi militant. Mais c'était autour de l'élection. Maintenant, après l'élection, il a estimé que ce qu'il cherchait là-bas n'a pas été atteint. Il est allé prendre un parti où il est devenu lui-même président de formation politique. Donc, pour moi, il est dans l'expérience politique. Ça, après, moi, je parlais plutôt de Ni John Fundi parce que lorsqu'on parle de tube digestif aujourd'hui, vous voyez les gens disent du SIF que le SIF est devenu un tube digestif. Mais je dis que ça veut dire qu'on ne plonge pas l'histoire, on ne regarde pas pour voir. Parce que nous, lorsque nous entrons en politique, en réalité, la question qu'on se pose, c'est que à quel niveau les autres ont échoué? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Maintenant, vous ne pouvez pas avoir votre concurrent qui est au pouvoir, déjà au pouvoir. Vous avez le même âge que lui. Vous partez à la première élection présidentielle, il vous gagne. Vous partez à la deuxième, il vous gagne. À la troisième, à la quatrième, vous prenez de l'âge. Donc, à un moment donné, vos besoins dans la pyramide des besoins de Maslow, vos besoins changent. Vous avez d'autres priorités. Mais ce qu'il vous faut, c'est de passer la main à temps. On est dans un contexte... Non, les conditions ne peuvent pas changer. Je crois que le point de départ, c'est le contexte juridique. Au Cameroun, l'opposition n'a pas de statut. Donc, c'est une activité que vous menez et rien ne vous protège, rien ne vous accompagne, rien ne garantit votre environnement. Parce que les gens font souvent la comparaison avec le Sénégal. Mais allez au Sénégal, il y a le statut des partis politiques. Il y a le statut de l'opposition. Ça fait que le travail que vous faites, c'est un travail d'intérêt général. Même si vous le faites dans l'opposition, vous avez la contrepartie qui vous évite donc la recherche, la satisfaction de ses besoins normaux. Donc je crois que le problème est mal posé au Cameroun. Il faut qu'on travaille d'abord à avoir un statut de l'opposition au Cameroun pour que les gens ne soient pas réduits tout le temps. Ils ne soient pas taxés tout le temps dans ce qu'ils font comme étant le tube digestif. Pour moi, c'est insultant pour les sacrifices que consentis par les politiciens. Alors, au quotidien, on n'a même pas idée. De M. Ndiamène, je ne sais pas si vous l'avez écouté comme moi. Religieusement. Du conflit d'intérêts. À un moment donné, il a parlé du conflit d'intérêts, notamment pour ceux qui ont des fonctions électives comme les maires et autres. Et qui trouve qu'il y a un conflit d'intérêt entre avoir ses fonctions, par exemple, un maire qui fait autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'à un temps, vous avez dit qu'il n'y a pas d'incompatibilité, mais Célestin Diamène semble trouver qu'il y a une incompatibilité entre les fonctions politiques et l'activité économique. Je crois que Célestin est dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des cas, dans une société normale où les activités, toutes ces activités sont encadrées. Mais en même temps, moi je dis, il y a les gens qui entrent en politique
parce qu'il a besoin un jour de réaliser un bâtiment au nom de son entreprise et que c'est sa fierté de dire que si tel hôpital a été construit, lui, c'était sa contribution pour le pays, pour l'intérêt général. Est-ce qu'on doit parler de conflit d'intérêt à ce moment si la seule possibilité pour celui-là de réaliser un bâtiment au Cameroun a pour obligation pour lui d'être maire? Donc vous voyez qu'en même temps, ce qu'il dit est profond, mais sauf qu'il doit contextualiser pour voir les limites globales qui vont avec l'activité qu'on doit professionnaliser. Donc je crois qu'il est dans un contexte de l'occidentalisation de la réflexion qui doit trouver son adaptation dans notre environnement et l'accélération davantage dans l'appropriation et la contextualisation de cette pensée. Donc pour moi, je dis jusque-là qu'il n'y a pas incompatibilité parce que vous avez besoin des moyens pour faire la politique. Il y a conflit d'intérêts si vous êtes maire dans une commune et que vous gagnez les marchés dans cette même commune, ce qui est d'ailleurs interdit, c'est proscrit. Donc je crois que à ce niveau-là, il y a conflit d'intérêts. Mais il y a d'ailleurs même, on le nous a dit en sciences politiques, vous ne faites pas la politique si vous n'avez pas de pouvoir économique, si vous n'avez pas de pouvoir militaire, si vous n'avez pas de pouvoir, entre guillemets, religieux. Tout ce qu'on y met, même le mysticisme, les différentes formes de légitimité. Donc, un homme politique a absolument besoin d'avoir à côté de lui des hommes purement économiques qui l'accompagnent dans la politique. Ça, c'est des choses qui ne se négocient pas. Donc, il faut tout simplement évoluer en rangeant les gens dans leur contexte. Vous êtes président de la République, qui va vous gérer les entreprises d'État si vous n'avez pas d'abord les opérateurs économiques qui ont l'expérience dans ce domaine? Donc, voilà, je crois qu'on doit adapter la réflexion. Tout le monde est important. Il faut canaliser les énergies et de nous assurer que on a travaillé pour l'intérêt général. Je crois que tout à l'heure, il a dit aussi une chose qui a attiré mon attention. Oui. Lui aussi voulait réduire certains acteurs politiques en tube digestif. Mais je partageais avec lui le sens de l'activité politique qui est l'intérêt général. Mais moi, je pense et je sais que chaque fois qu'on a œuvré pour l'intérêt général, ce sont les populations elles-mêmes qui sont reconnaissantes. Oui, donc la récompense est là au bout du travail. On doit tout simplement davantage demander aux jeunes de faire les métiers de leur choix. Donc lorsque quelqu'un tout de suite s'est senti animé par l'ambition d'être important à son pays dans le volet politique, il faut qu'il s'y engage, qu'il apprenne les codes, qu'il prenne du temps, qu'il travaille. En termes de rémunération, de récompense, ça viendra seul. Dès qu'on a travaillé pour l'intérêt général, vraiment, je ne sais pas si on peut manquer du strict minimum au quotidien. Vraiment, j'en doute. Ok, on a beaucoup de questions et on va aller rapidement dans la réponse à ces différentes questions. Vous, à la maison, continuez encore d'envoyer. Mais avant d'ouvrir cette phase-là, tout à l'heure, on parlait des gains. On a évoqué les gains, je disais qu'on allait revenir là-dessus. Mmh. Vous avez dit qu'on gagne beaucoup à faire de la politique. Alors, on peut donc dire qu'on vit de la politique au Cameroun. Est-ce que vous vivez de la politique? Quels sont donc ces différents gains? Oui, les gains d'abord, c'est la reconnaissance, le premier gain. C'est-à-dire que lorsque vous voyez vous engager, ceux qui hier estimaient que vous étiez un gros blagueur en train de vous prendre au sérieux aujourd'hui, de vous reconnaître un certain nombre de choses dans l'évolution de la société, je crois que c'est le premier grain. Le deuxième est pour moi l'inscription dans l'histoire du pays. Je prends par exemple le cas du football. Lorsqu'on dit Mila Roger, mais ça parle à tout le monde, ça parle à plusieurs générations et ça parlera éternellement aux Camerounais. Quand on va dire les Ernest Ouandji, les Ruben Oumiobé, toutes ces générations-là, quand on revient dans la deuxième génération des années 90, Lenny John Fundi, maintenant on est dans notre génération, ce que moi j'appelle la troisième génération et la troisième république. Mais lorsqu'on vous parle de Cabral Libi, moi c'est une expérience que je vis. Il m'arrive des moments où je suis dans le taxi, il m'appelle, je dis oui, président Cabral, mais tout le monde se saute dans le taxi, demande que mais comment ce monsieur peut recevoir le coup de fil. Donc vous voyez que vous êtes hissé à un certain, dans la pensée, dans la conception, c'est entre autres gains, le pouvoir. Je l'ai dit, chaque fois que vous avez ces responsabilités, surtout les postes publics, vous voyez les avantages qui vous accompagnent. Et moi, je parle difficilement argent parce que j'ai pas encore eu la grâce ou la chance d'être à un poste public de responsabilité. Mais je crois que la base, c'est la conviction. Et de savoir que le gain en politique n'arrive que lorsqu'on a finalement travaillé pour l'intérêt général. Il peut être immédiat.
Dans notre génération, on a des camarades qui n'avaient pas milité auparavant, qui en 1-2 ans d'engagement militant sont députés aujourd'hui, c'est des maires. Ils ont des bons salaires à la fin du mois. Oui, même pas le salaire. Ils ont le salaire, mais ils ont l'avantage de réfléchir, d'être au cœur de la réflexion véritablement des questions d'État. Parce que c'est ça le travail de la politique, c'est l'État. Lorsque vous êtes au cœur d'un dispositif, vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction que vous avez en vous. Vous avez l'impression à un moment donné que le monde dépend de vous. Parce que tout le temps vous êtes sollicité, on vous attend, tout le temps on estime qu'en principe ça dépend de vous pour que ça évolue. Je crois même que... Le destin, la vie, oui, vous avez le destin. Le jour où on sera à une véritable décentralisation au Cameroun, les gens comprendront que l'investissement le plus sûr... le plus important, c'est dans la politique. Il faut s'engager en politique. C'est un bon terrain. Qui tourne dans ma tête, hein, les questions de décentralisation, des opportunités que peut offrir la décentralisation. Parce que le but de cette émission, c'est de donner des clés, des outils aux jeunes porteurs de projets qui ont des idées, de pouvoir identifier des besoins et d'apporter des solutions. Beaucoup veulent s'investir après le bac, après les grosses études, mais ils ne savent pas véritablement dans quoi investir. Peut-être la politique peut être un bon filon. Alors, on va donc prendre les nombreuses réactions. Il nous reste moins de 10 minutes, hein, donc on va aller au pas de course. On a Marie-Michel Alima, que vous connaissez très bien, qui dit, au-delà de la rémunération, notamment les indemnités de cession, salaire prévu pour les députés, sénateurs, mais est-ce possible pour un professionnel autre que ceci, se susciter de vivre du métier politique au Cameroun? Absolument. On a dit que, en principe, ces postes politiques ont pour base l'appareil politique qui est le parti politique. Et au sein du parti politique, il y a les responsabilités. Et lorsque vous êtes responsabilisé, vous avez l'essentiel qui vous permet d'être important pour l'appareil politique, pour les conquêtes de pouvoir. En principe, lorsqu'on s'en va conquérir les postes publics, c'est pour que ce qu'on gagne là-bas permette, parce que tout le monde ne peut pas accéder à ses responsabilités au même moment, à ceux qui travaillent au quotidien aussi, de tirer leur épingle du jeu. Le PC n'est pas encore à cette vitesse, mais nous pensons que avec ce qui se passe déjà, avec une organisation davantage professionnelle, les appareils politiques tendent vers là. D'ailleurs, regardons le RG du RDPC, le vice-ministre, le vice-premier ministre Kouité. Pourquoi il n'a plus besoin d'aller chercher un quelconque poste? Mais parce que, effectivement, les gains publics du RDPC permettent à ce que ceux qui travaillent au quotidien pour la formation politique aient, disons, au quartier, leur part. D'ailleurs, c'est l'énergie, c'est le carburant pour qu'ils continuent à œuvrer pour le parti politique sans lequel ces postes publics ne peuvent pas être possibles. Elle revient avec une seconde question. Peut-on considérer tout homme politique comme un professionnel de la politique? Sinon, quels sont les critères qui permettent de distinguer l'homme politique du professionnel de la politique, sachant qu'à la base, ils sont tous des politiciens? Je crois que ce que j'ai dit, pour moi, tout engagement politique, quelle que soit la courte durée, pouvait intégrer dans un club. Vous y passez une année, ça ne fera pas de vous que vous n'avez pas joué à ce club. Donc, ce que moi je dois dire aux gens, la politique n'est pas l'église, parce que je crois que les gens versent davantage dans la passion, les gens versent dans le totalement correct. La politique a ses codes, la politique a ses règles. C'est le savant dosage des intérêts des uns et des autres qu'on réussit une carrière politique, parce que le parti politique est un espace de satisfaction générale et de satisfaction individuelle. Donc, chaque fois, les responsables d'un parti politique doivent s'assurer que tous ses intérêts sont finalement satisfaits. Donc les individus qui viennent, si vous savez, quelqu'un vous dit que moi je veux être maire parce que je veux m'assurer que, ou bien alors je veux vous financer pour gagner une mairie parce que moi en contrepartie je viendrai pour gagner les marchés et réaliser par exemple les routes. Mais quitte à vous de voir si le capital qu'il vous apporte va vous permettre de conquérir cette mairie, et à vous donc de respecter l'engagement. Peut-être vous lui dites qu'il faut qu'il soit sincère, qu'il vous montre que si un jour il gagne un marché, il sera bien réalisé. Donc il y a la combinaison de tous ces intérêts. Je voudrais dire à Madame Alima que l'engagement politique, il faut véritablement le vivre pour comprendre que chaque énergie consentie, on doit l'arranger dans le sens de l'engagement professionnel, quelle que soit la durée, quelle que soit la qualité qu'on peut la prêter. On a également une question du docteur Paul Amour Mbeguele, que vous connaissez également. Bonsoir monsieur Félix Niek. Je voudrais d'abord apprécier l'énorme travail qui est abattu par votre formation politique. Merci. J'y vois un travail d'équipe,
votre touche particulière et la volonté du changement. Ma question est la suivante. Pensez-vous qu'on puisse durablement vivre pour la politique, être un professionnel de la politique étant dans l'opposition au Cameroun? Alors, je crois que c'est difficile, mais dire que c'est impossible. On a vu les gens qui ont mené toute leur carrière en politique dans l'opposition. Et déjà, moi, j'ai un problème. Il faut vraiment peut-être que nous n'avons pas la même conception. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut être catalogué comme opposant en politique. Parce que lorsqu'on entre en politique, on y va pour conquérir et exercer le pouvoir. L'opposition est une situation qui est juste sporadique. C'est-à-dire c'est parce que vous n'avez pas encore pu convaincre les gens pour conquérir le pouvoir que vous cherchez et pour l'exercer. Parce qu'il y en a qui entrent en politique juste pour limiter leur conquête au niveau de la mairie. Donc pour moi, je ne voudrais pas déjà qu'on pense que être opposant est une carrière en politique. C'est qu'on a échoué. On ne peut pas être en politique pour être taxé définitivement comme en étant un opposant. On doit être en politique pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Maintenant, lorsque vous ne réussissez pas à conquérir le pouvoir et à l'exercer dans le sens que vous lui avez donné dans votre engagement politique, vous devez vous donner les moyens, alors dans la résilience, pour vous assurer que vos convictions n'ont pas été corrompues, vos convictions n'ont pas été finalement dévoyées. Mais je voudrais le rassurer que le PC n'est pas entré en politique pour demeurer dans l'opposition. Nous sommes là pour conquérir, on a d'ailleurs commencé, nous sommes là pour conquérir le pouvoir et l'exercer. C'est pour cela que moi, je ne travaille pas davantage sur les longs séjours dans l'opposition. Je travaille davantage dans les stratégies de conquête rapide du pouvoir et de l'exercice pour l'intérêt général. Mais on doit intégrer que la démocratie demande quand même l'alternance, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une formation politique ou dans un courant idéologique, quand à un moment donné qu'on perd, c'est un jeu, ou encore à un autre, on gagne. Mais ce qui est sûr, c'est difficile d'être opposant au Cameroun tant qu'il n'y a pas de statut de l'opposition et tant qu'on donne l'impression aux gens que le président de la République, président d'une formation politique, est le père, le cœur de tout. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible étant donné que nous y sommes malgré nous et on évolue. Au-delà de l'hypocrisie et de la pudeur, ne pensez-vous pas que les politiciens doivent être rémunérés car ils consacrent tout leur temps à la politique? Oui, c'est pour cela que j'ai parlé du statut du politicien. Parce que dès qu'on a un statut, le statut là va permettre à ce que la rémunération soit automatique. Parce que ce qu'il dit est pertinent. Vous courez les risques les plus compliqués du monde. Parce que réfléchir pour l'État, réfléchir à prendre le pouvoir de quelqu'un qui est installé là depuis 40 ans, tout ce qu'il vous veut vraiment, c'est de s'assurer que vous n'allez pas l'empêcher de continuer à rester là. Donc il faut qu'on intègre que la politique est un métier qui doit être rémunéré de manière normale et que rapidement on aille au statut de politicien pour qu'on n'ait pas l'impression que ceux qui s'engagent dans ce métier le font uniquement dans l'orientation du tube. Dernière, vivre de la politique ou pour la politique sous l'influence de la démocratisation, de plus en plus de gens, entre parenthèses, dit l'entrepreneur politique, le bureaucrate de parti, vivent de la politique et non plus pour la politique. C'est Bamela, un téléspectateur. Oui, mais je pense que les gens ont peur. Tout ça, c'est la peur. C'est-à-dire que les gens regardent, des gens ne dépendent pas d'eux, il y a leur environnement, ça peut être familial, ça peut être social, ça peut être professionnel. Lorsqu'ils mesurent le risque, ils préfèrent prendre le raccourci. D'ailleurs, j'ai demandé un jour sur un plateau à une militante du RDPC qui voulait donner les leçons à l'opposition. Je lui ai dit que si être opposant avait été facile au Cameroun, elle se serait engagée dans l'opposition. Donc, on peut dire que les gens préfèrent les raccourcis au milieu de tout ça pour s'assurer qu'ils ont minimisé leurs pertes et ils ont maximisé leurs gains. Mais moi, je dis que la conviction doit être la base de l'engagement politique. Lorsque vous avez une conviction en politique, allez travailler là où vous pensez que cette conviction, vous allez travailler pour, vous battez pour, quitte à ce que les gens se moquent de vous, mais que vous ayez la satisfaction au terme de votre engagement, que ce pourquoi vous êtes battu, ce n'était pas inutile. Ça et
aider et ça avance. C'est la satisfaction qui maintenant revient du cas de notre engagement depuis 2017. Aujourd'hui, avec le PSREN, nous commençons à réaliser chaque fois que vous passez. Les gens vous admirent et vous disent que vraiment courage. On n'a pas pensé que ces choses que vous faites pouvaient exister au Cameroun. Tout ce qu'on dit aux Camerounais, c'est que ça dépend de vous. Cessez de dire on va faire comment. Engagez-vous chaque fois que vous voyez que vous avez une conviction à quelque part. Le Cameroun est un vaste chantier. On a besoin de toutes ces énergies. Il faut que les gens s'engagent, qu'ils y travaillent. À force, le nombre d'ailleurs même fait en sorte que les menaces se réduisent. Parce que quand c'est quelques individus, il est facile de les écraser. Mais quand c'est en nombre, et lorsque les populations se rendent compte que ce que vous faites est pertinent, finalement, ces populations vont vous accompagner, vous encadrer pour que la situation s'améliore. Avec la permission de la région, on va prendre 2 minutes juste pour mettre un terme à l'émission. Car nous sommes arrivés. Ça allait très vite. 80 minutes, 80 on a eu l'impression de 10 minutes. 10 minutes, voilà. Alors, merci déjà pour d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Mais surtout, merci pour tous les éclairages que vous avez pu nous apporter. Alors, pour sortir de l'émission, définitivement, et là, vous allez regarder votre caméra cette fois-ci, ces nombreux jeunes, ces téléspectateurs qui nous regardent à travers Connectique.tv, partout dans le monde, à travers la télévision également. Alors, est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes d'investir et s'investir en politique sous le prisme d'une carrière ou alors d'une profession, car c'est un secteur porteur, c'est un secteur dans lequel ils peuvent trouver l'épanouissement nécessaire, mais surtout dans lequel ils peuvent trouver la rentabilisation. Ce que je veux dire aux Camerounais, à ces jeunes Camerounais, c'est que le Cameroun est aujourd'hui à l'image de tout ce qu'ils veulent eux-mêmes. Donc, chaque fois qu'ils hésitent, le Cameroun va baigner dans l'hésitation. Que dans leur histoire, qu'ils retiennent que le Cameroun a été fait essentiellement à chacune de ces étapes par les jeunes. Lorsqu'on parle de Ruben Oumiobé, ils avaient à peine 25 ans. Lorsque le président Amadou Ahidjo accède au pouvoir, il a à peine 35 ans. Le président Paul Biya, qui est là depuis 40 ans, il était aussi jeune quand il s'est engagé. Donc, c'est lorsqu'on est jeune qu'on peut faire des grandes choses. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Ils vous découragent pour rien. Engagez-vous, vivez votre rêve, portez votre pays là où il doit être. Ça dépend de vous. Engagez-vous, on l'a fait. Nous sommes là, c'est pas facile, mais c'est important de travailler à rehausser l'image de son pays. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Tout se passe ici au Cameroun. Engagez-vous. Vous allez voir que le Cameroun dépend de vous. Ce sera à vous. Vous n'êtes pas seulement ce qu'on appelle fer de lance de la nation. Vous n'êtes pas l'avenir de la nation, mais vous êtes la nation elle-même. Donc, alors, l'avenir du Cameroun entre vous-même. En un mot, quelle est votre actualité, Monsieur Biaga? Votre actualité la plus au projet en ce moment? Non, alors, en ce moment, en tant que mon activité est essentiellement politique, nous sortons d'un congrès en Ngaoundéré. Nous sommes en train de préparer un autre à Kribi qui sera un congrès ordinaire. Donc, essentiellement, nous travaillons. Je suis impliqué dans les commissions préparatoires, élaboration en matière de stratégie pour ces commissions qui vont travailler pour la réussite de ce congrès. Parce que pour nous, nous ouvrons là la campagne présidentielle de 2025 par le congrès de Kribi. Donc, nous travaillons essentiellement sur l'activité de communication en matière de stratégie, mais aussi en matière de maillage territorial. Donc, tous les jours, je dors pour voir comment est-ce que le PSN peut partir à 320 communes où nous sommes présents aujourd'hui pour les 360. Donc, et c'est essentiellement mon activité. Et je pense que c'est important, c'est la plus grande chose parce que avec l'encouragement des populations, nous sommes convaincus qu'un autre Cameroun est possible. C'est à cela que nous travaillons au quotidien. Tout ça. Un autre Cameroun est possible, c'est également à ça que nous travaillons à MyTV Channel à travers cette émission d'éducation, cette émission essentiellement pédagogique. Et nous avons la chance d'avoir des invités qui partagent la même conviction que nous. Pour vous aider à la maison, il n'y a pas que TikTok dans la vie, il n'y a pas que Facebook et WhatsApp, mais il y a également des émissions d'éducation dans lesquelles vous pouvez apprendre énormément. Nous allons remercier une fois de plus notre invité d'avoir effectué le déplacement, tout en lui souhaitant bon vent dans sa carrière politique et toutes ses activités. Nous allons également remercier l'apport cet après-midi pour la réalisation de cette émission de l'association Sciences Po 05. Ils se sont mobilisés véritablement pour que le substrat
de cette émission soit à la hauteur et vous avez pu constater la pertinence des contributions. Donc merci à vous, à tous ceux qui ont envoyé des questions, des contributions pour meubler ce programme. Pour tous ceux qui ont raté le direct, vous avez la possibilité de vous rattraper samedi à partir de 17h pour le replay sur MyTV Channel et Plex TV. Vous pouvez également suivre l'émission à nouveau sur la page Facebook Armstrong Lombardi et sur myconnectique.tv. Quant à moi, je vais simplement vous donner rendez-vous jeudi prochain, même chaîne, même heure, mais avec une nouvelle thématique et forcément de nouveaux invités. Mais d'ici là, gardez le sourire. Ciao, bye bye.